Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Planet Crafter. J'ai continué à jouer de mon côté, d'accord, j'ai amélioré un peu, donc voilà, c'est surtout du stockage en fait, hein. J'ai amélioré le stockage, mais j'ai pas terminé, il me reste encore quand même pas mal à faire, donc bah ouais. Ça promet, j'ai quand même démonté le bas, comme vous pouvez voir. Ici, il reste plus que l'étage du dessus, avec surtout les... Il me reste de l'osmium, je crois. Bon, je vais pouvoir prendre maintenant, au pire. De l'obsidienne à ranger, et puis les quartz. Voilà, c'est tout ce qui va me rester à ranger. On va prendre ça, on va le ranger. Et puis, il me reste le petit bâtiment ici, évidemment, qu'il va falloir déplacer. On va ranger ça et après on va s'atteler à un nouveau bâtiment. L'osmium c'est ici. Ah parfait. Tac. Allez c'est bon. On a rangé l'osmium. Donc nouveau bâtiment. Alors attendez, j'ai zappé, il est où? Là. Le dôme à papillon. Le dôme à papillon. Là, il faut une zéolite, une écorce d'arbre, engrais, et engrais T2. Alors. Une écorce d'arbre. Ensuite, engrais et engrais T2. Hop, on va par là. Je sais plus où j'ai mis la zéolite. Je sais plus. Deux super alliages. La zéolite, où est-ce que j'ai foutu? Ah mince. Là. Ah tiens, j'ai de l'osmium et deux bouteilles d'eau ici. On range au fur et à mesure. Voilà. Bref, alors, on va prendre du fer aussi. J'ai réussi à me refaire un petit stock de fer. Ça devrait aller, je pense. On va construire ça. Alors, je sais pas. Est-ce que je le construis? Ah oui, mais non, ça va pas le faire, là. Là, ça va pas le faire. Là, je peux pas le mettre sur le côté, donc à l'autre bout. Je vais le mettre par ici. Ouais. Je vais le mettre par ici. Donc, je vais construire ça. Ah non, il manque un titane, mince. Ah. Ben, je suis coincé. Il me manque un titane. Toc. Mais c'est pas vrai. Je suis bloqué partout. Voilà. Et alors c'est là par contre, je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être faire un passage. Je vais peut-être faire un passage, je sais pas encore. On va construire. Alors par contre, il faut d'abord que je repère à l'extérieur. Voilà un petit peu comment je peux bidouiller ça. Est-ce que je pourrais faire un passage qui vient, par exemple, ici? Ou plutôt là? Hein, à voir. C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Le dôme à papillon. Apparemment, il y a que... Ah non, il y a deux entrées, c'est bon. Donc on peut le mettre comme ça.
Et moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir continuer les structures. Ça soit quelque chose de cohérent. C'est une double structure, ça serait peut-être plus intelligent. J'ai plus de fer. Ok, ouais, ça serait plus logique, un truc comme ça. Je vais rechercher du fer, on va terminer ça. Avant d'aller voir le bâtiment lui-même. Voilà. Ah, pas une chute de météore alors que je suis en train de faire ça. Les gars. Mais non. C'est vraiment pas le moment, quoi. Bon. Du météore arrive toujours quand il faut pas, en fait. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur contrôle, ah, oui. Tac. Contrôle. Donc celui-là est fait. Ce serait quelque chose dans ce style-là. Paraît à peu près logique. Peut-être en mettre un autre là. Ça a aucun effet hein, sur l'intégrité du bâtiment. Mince. Mais c'est plus un côté logique, on va dire. Voilà. Il me faudrait un titane de plus. Je pourrais peut-être agrandir le bâtiment. Niveau d'hydratation bas. Voilà. On est bien. Un titane de plus. Titane là. Ah, il faut que je m'habitue, hein. Hop. Mettre ça là. Ok. Ensuite, alors ici, comment ça marche déjà ce truc? Il faut papillon. Alors, normalement, larve de papillon doré. Ouais. Et alors, du coup, non, c'est pas là. Larve de papillon azurae. Et penga. Larve commune. Un engrais, un mutagène. On pourrait peut-être essayer de varier. On va mettre un mutagène. Alors, attendez. Ça, c'est vrai, les trucs que je connais pas par cœur. Hein. Il me faut, ah oui, 3 algues et de l'eau. Les algues, je les ai mis où? Là. 1, 2, 3. Et il me faut de l'eau. Hop. Parfait. Ensuite, on fabrique donc ça. Et il me faut un méthane et un soufre. Ok. Un méthane. Soufre. Là. Purée. Un mutagène. Voilà, parfait.
Ok, ensuite. Un comme ça, je crois. Je sais plus. Et une larve commune. Attendez, on va regarder. Je fais une larve de papillon Penga. Multiplicateur d'insectes 230%, 120. Ouais, c'est mieux, 230. On va prendre une larve. Est-ce que j'ai une larve rare? Yes. Ah oui, parce que le papillon doré, c'est 1500. Ah. Ah, ça, c'est pas mal. Hein. Je pourrais avoir 3000 avec les deux larves. C'est peut-être mieux. Hein. Je veux créer une larve, mais... Non, ça, c'est les écorces. Bon, on peut quand même la créer. Pas un problème, ça va. Hop, ok. Ah oui, bien sainte. Ah oui, non, il y a des trucs que je sais pas faire encore. Donc ça, ça, ça. Analyser. Parfait, donc on va mettre... Non, ça c'est le biodôme. J'en veux, hein, pour mon biodôme. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un peu de variété, que d'avoir que des papillons dorés. Voyons voir un petit peu ce que ça fait au niveau... Tac. C'est où? Insecte. Oh, oh purée, insecte, ça monte à une vitesse. Ah ouais. La biomasse, pareil, elle monte à une vitesse maintenant. Allez, 500 kilos vont arriver très vite, hein. Générateur de soie à 800, à la vitesse où ça va. Le tissu. Après, on est en tonnes. La ferme en plein air. Ah, ça peut être pas mal, ça. Présentoir à papillons. Écosystème. D'accord. Mutagène T2. Ouais, il y a encore plein de trucs, hein. Œuf de grenouille. D'accord. Donc les végétaux, ça monte très vite aussi, ce qui va débloquer des larves de papillons, chevronnes, AML et Lux. Et la ferme à papillons. Ça augmente les niveaux d'insectes, ok. Donc oui, c'est pas le fait d'avoir fabriqué l'insecte, là, c'est pas non plus... Par contre, on voit la vitesse où ça va là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le deuxième papillon doré. Et on va garder l'autre que je suis en train de créer pour plus tard. Boum. Et alors là... Je pense que ça doit aller à une vitesse impressionnante. Oh, oh, oh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Donc la biomasse, elle monte très très vite. La pression, la chaleur, l'oxygène, ça ralentit un petit peu, mais la pression, c'est parce que c'est passé en PA. Faudrait voir pour les fusées, en fait. Faudrait voir pour faire des fusées. Mais là, ouais, ça va monter à une vitesse folle. Je suis déjà à 284, 286, 287, c'est-à-dire que... À la vitesse où ça va... Ah oui, je peux faire de la nourriture, au fait. Oui, j'ai débloqué ça. On va pouvoir débloquer des graines d'arbres très rapidement... le générateur de soie, on va le débloquer rapidement. Pareil pour le tissu. Tout ça, ouais. Ouais, ça va aller très vite. Ok, bon, c'est très bien. On descend.
Donc normalement... Ah, les papillons sont là. Hop, on les récup. On les met ici. Et au niveau du dôme à papillons, il n'y a qu'un seul côté. Ça doit être le même chose par ici. Ouais, c'est pareil. Ok. Ok. Donc... Encore des météores. C'est souvent les météores, j'en ai un petit peu marre là, j'avoue que... C'est quoi qui est tombé? C'est quoi qui est tombé? Un petit peu de tout. Ouais, je vais pas me casser à ramasser ça. J'ai vu de l'aluminium. Ah, de l'aluminium, pardon. Par contre, je vais prendre... Ne pas avoir du tout regardé où ça tombait. Là, on dirait peut-être... Non, je sais même pas. Non, même pas. Là, il y en a. Qu'est-ce qu'il y a? Cobalt? Non, j'en ai déjà largement assez. Ouais, bof. Bon, ouais, on s'en fout. On s'en fout royalement. Là, il faudrait que... Du coup, est-ce que je peux... Ah, mais appuie sur CTRL maintenant que ça remarque. J'ai plus de fer. J'aimerais faire un passage ici qui me permettrait de monter. Ah, ça donne du style un petit peu, ça. Ça me permettrait de monter là. Ouais. L'arf commune. Il y en a partout maintenant. Le commune, ça je vais prendre. Ok, alors. Niveau d'hydratation bas. Là c'est parfait. Alors si. Voilà. Graines d'arbre. On a débloqué. Il faudrait qu'on fasse ça d'ailleurs. On pourrait peut-être en mettre par ici. Ouais, ça ferait peut-être un peu de végétation. C'est un peu tristouné. Allez, pourquoi pas. Il y a plein de choses à faire là. Hein. Les fusées à envoyer. Le biotube. Le T2. Ou semoir d'arbre. Insérer une graine d'arbre à l'intérieur afin de faire pousser vos premiers arbres à placer sur l'eau. Ah, donc j'ai pas le choix. Ok. Oxygène 3900 par seconde. Végétaux 350. Ah, il me faut des échantillons de bactéries. Facile à faire. Écorce d'arbre. Engrais T2. Super alliage. Zéolite. Je pourrais peut-être essayer d'en faire deux. Ouais, deux ou trois peut-être. Trois zéolites, trois super alliages. Ensuite, il me faut trois. Donc ça fait neuf. Non, pas ça. Non, pas ça. Non, pas ça. Ça. 9 comme ça. Alors l'eau, je l'ai rangée temporairement de l'autre côté. Donc on va aller chercher de l'eau. Les ranger temporairement ici, l'eau. Dans ce petit bâtiment. Qui risque de... Ah ouais, ça monte. Moi je l'ai mise ici. Ouais. Voilà. Ça monte, ça monte. Pourquoi je sais pas. Je prends comme repère cette pierre et là ça bouge pas. Ah, quoique. Et si on prend un repère. Et ça là. Une espèce de petite trace. Ouais, je peux pas le montrer.
Allez, tiens, on va prendre comme repère, là où il y a mon viseur, cette ligne-là. On va voir si ça continue à monter ou pas. Donc... moi, comme ça... la nourriture, c'est avec du miel et des haricots. Ok, donc les haricots, il va falloir les mettre de côté aussi. Ça commence à être compliqué, là. Ça commence à être compliqué au niveau stockage. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Oui, ça. Trois écorces et des engrais T2. 1, 2, 3. Et j'ai vidé tout mon stock d'engrais en l'équivalent de deux épisodes. Et les écorces, c'est par là. Toc. Bon, parfait. On va pouvoir... attendez, je vais en profiter aussi. Ah ouais, mais non, faut faire des granulés de bioplastique, ça c'est chiant. Je pense que c'est des trucs qu'il faudrait que je fabrique de mon côté, le bioplastique, l'engrais. J'aimerais faire des générateurs d'algues T2. Ah, il faudrait que je prépare ça peut-être pour les prochains épisodes. Ah bah voilà, le générateur de soie. J'avais trop de trucs à faire là. Il y a tout qui se débloque. Ok, alors, de l'eau. Ah, il faut qu'on mange. Ah, on va y arriver. À un moment donné, il va falloir partir, hein. Inventaire. Toc. Ouais, la nourriture, ça va beaucoup plus vite, là, pour le coup. Hop. On repart par ici. Donc, on y va. C'est parti. On va donc mettre ça dans un plan d'eau. J'ai pas pris de graines d'arbre, mais j'avoue que je sais pas ce qu'il me faut exactement. Et au niveau de la création, pareil, on va peut-être voir ça dans le prochain épisode au pire. Est-ce qu'on pourrait en mettre là? Non, on va tout réunir de l'autre côté, c'est mieux. Il y a déjà des arbres ici. Donc on va pas en mettre plus à cet endroit-là. Par contre... là, on a des points d'eau. Donc on pourrait potentiellement en mettre là. Ouais, pourquoi pas. Alors, où ? Pourquoi tu veux pas? Il y a de l'eau là. Est-ce qu'il y a un message qui nous dit pourquoi tu veux pas? Ah, c'est pas forcément dans l'eau. Ah, d'accord. Il faut de l'eau, mais pas forcément. Ah, le tissu. Il y a tout qui va se débloquer là. C'est top. On peut en mettre un là. Et l'autre là, par exemple. Et l'autre... on pourrait peut-être le mettre par là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme... ouais, il précise pas. Ok, bon, je vais récupérer des algues, on va retourner à la base. Faudrait que je fasse des générateurs d'algues T2 à remettre ici. Y a plein de choses en fait qu'on pourrait augmenter en quantité. Après bon, j'avoue que pour l'instant je suis pas en manque. Bon, tu vas ou...
Ça te fait chier. Ah. Ça te faisait chier, en fait. Ok. Allez. On repart par ici. Maintenant, on peut couper. La base est par là, je crois. Ouais, elle est là. D'oxygène bas. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Graine d'Aemora. Demora, je sais pas. Inventaire. Tac. Et après, ah, on a d'autres trucs à faire aussi. Ça qui serait pas mal à construire aussi. Le filtre à eau. Si on l'a. Ah, il faut des granulés. On verra ça dans le prochain épisode. Je vais fabriquer les granulés de mon côté. Parce que dans mes souvenirs, c'est assez long à faire les granulés. Hein. Voyons voir. Ouais, c'est champignons, champignons, silicium, bouteille d'eau. Ouais. Ah, j'ai pas regardé si on avait du miel. De toute façon, on va y retourner. Les graines d'arbres, ça doit se faire ici, je crois. Yes. Graines d'arbres. Ah, il faut des mutagènes. Ouais, faudrait que je fabrique tout ça de mon côté. Ça va être trop long, ouais. Mutagène, mutagène, mutagène. J'ai essayé de me faire des stocks. Il faut des mutagènes à chaque fois, ouais. J'ai essayé de me faire des stocks, fabriquer ces petites pièces-là de mon côté, pour pouvoir, après, dans le prochain épisode, avancer sur divers points. Là, on peut récupérer du fer. Ah, mais attendez. Avant ça. On va regarder quelque chose. Je vais récupérer du fer déjà. Toc. Parfait. Les algues, on va les déposer là. Ouais. Et je vais aller regarder parce que si ça se trouve, j'ai peut-être des graines d'arbres. Graines d'arbre, regardez. Bon, il fait que 125, mais c'est pas grave, on le remplacera après. Pareil, celui-ci, on pourrait le remplacer après. Après, non, j'en ai pas d'autres. On voit pas, en tout cas. Mais on en a déjà deux. On va pouvoir essayer d'aller les mettre, tiens. On ira les mettre, on finira la vidéo là. J'aimerais terminer quand même ce petit coin là. Avant toute chose. Mais j'aimerais bien faire un accès. Après, avec une seule. Attends. Essayez d'être logique. Voilà, un pilier qui tient le coup. J'arrive dans la terre. Alors, ce que j'aimerais voir, c'est ça. Je
Je sais, j'ai pas appuyé sur contrôle, c'est exprès. Yes. Ça. Ensuite. On voit pas où je pose. Hein. Si je fais comme ça, ah j'ai oublié d'être par contre là, ah mais non c'est parce que j'ai plus de fer. Si je fais comme ça, je vais rechercher du fer. Parfait. Là, on met ça comme ça. Nouveau plan reçu, la ferme en plein air. Ah, 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 ah. Je développe trop de trucs. Ah, ça fait pas beau, mais bon, bah, je peux pas faire autrement. Mais bon. Hop, ça me fait un passage. Et il faudrait donc du titane et du silicium pour faire une entrée ici. Silicium et titane. Voilà. Et pour le coup, on a une entrée ici. Parfait. Excellent. Excellent. Et en plus, ça me permet d'aller après ici pour récupérer ce que je peux récolter là et au lanceur de fusée. Ok, bon, de mon côté, moi je vais préparer des ingrédients un petit peu plus compliqués. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va peut-être voir pour envoyer des fusées. Histoire de... Ah, attendez, tiens, on va regarder avant de partir, est-ce que le niveau a changé ? J'ai pas l'impression. Alors, est-ce que le niveau serait déjà arrivé à son maximum? Possible. Mais sait-on jamais. Ma base est très bien comme elle est. Ok, c'est parti. On met les graines d'arbres. Après, on les remplacera par des graines plus performantes. Et celles-ci seront déjà pas mal. Il y a les foreuses aussi qu'il va falloir que je fasse en plus. Mais il y a plein de trucs en fait à faire. Il y a trop de choses. Les générateurs d'algues, des foreuses en plus, les générateurs d'algues. Tout. Les téléporteurs, on va pas tarder à les débloquer. On a 15-40 en GTI et ça se débloque à 50, c'est ça? Ben, ça va venir vite, hein. Ça va venir vite. Allez. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Ça, c'est plus de la végétation contrôlée. Permet de contrôler les différents éléments sur la planète. Un miel, ok. Ok, bon, bah on est bien. On va se mettre ici. Il y aura peut-être des changements sur la base, je sais pas encore, on va voir. Là, il n'y a rien. Non. Voilà, oh, bah il y a plein de trucs par là, dites donc. Ah ouais! Là, y a rien. Ok, y a plein de trucs à ramener, moi. Je vais ramener les trucs les plus rares. Genre ça, 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 ça.
Ah bah tiens, des mutagènes, cool. L'osmium, la zéolite, ça, le soufre, le fer dont j'ai besoin cruellement, l'aluminium, ça dont j'en ai trop, aluminium, parfait. Ok, bah écoutez, on va arrêter ici. On va arrêter ici. On a bien progressé encore. On avance doucement mais sûrement. Il va falloir que je crée donc des éléments de mon côté pour pouvoir après enchaîner sur la prochaine vidéo ou celle d'après. On verra. On verra. Peut-être des changements au niveau de la base. Ça c'est possible aussi. Parce que je m'aperçois que la nourriture va commencer à prendre de l'importance. Même pas mal d'importance. Donc ouais, à voir. Bref, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le partager ou même le commenter. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!